Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Unreal Engine et regarder plus particulièrement les matériaux de type émissive en mode lit ou unlit qui vont permettre donc de créer des effets classiques néons, enseignes lumineuses ou fenêtres éclairées et permettre aussi d'être utilisés comme lumière pour éclairer l'environnement proche. Donc on va regarder ces types de matériaux, comment on peut les construire et comment on peut aussi bien entendu les paramétrer pour qu'ils puissent être utilisés avec différentes possibilités de variation en mode instance, ce qui est assez pratique pour remplir, comme on le voit ici, une ville de fenêtres éclairées ou d'enseignes lumineuses avec des variations de couleurs et de formes de matériaux aussi. Donc pour ça, on va reprendre donc une partie de la ville avec une seule enseigne lumineuse sur laquelle on va travailler donc le matériau et on verra comment on peut ensuite éventuellement paramétrer pour que ça soit réalisable en matériaux instance, donc en paramétrant certains donc caractéristiques pouvant être retrouvés donc dans la liste des paramètres d'instance et pouvoir être changés comme la couleur des écritures, le fond, la force de l'émissif color et ainsi de suite. Ok, donc on va reprendre donc notre matériau ici. Voilà, ok, et venir donc voir comment on l'a construit et puis le reconstruire de la même manière. Donc en fait on va utiliser ici deux textures simples, une texture qui va servir de base dans le base color et qui va nous servir aussi de base donc pour l'émissif color. Donc on pourra éventuellement à ce niveau-là séparer donc la texture qui sert de base color avec celle qui sert d'émissif color pour pouvoir les combiner. Ici on est parti sur quelque chose de simple dans le sens où c'est cette texture donc que l'on voit ici qui va servir de référence pour venir canaliser donc sur le base color et sur l'émissif color. Et puis on va utiliser donc un matériau, une texture pardon, qui a trois composantes RGB et qui va reprendre trois niveaux de gris pour faire trois alphas. On va avoir un alpha dans le red, dans le green et dans le blue. L'alpha du fond, ici dans le red, comme on peut le voir, c'est le fond. L'alpha des lettrages ou des signes, des symboles dans le vert ici. Et puis la bordure des symboles dans le bleu ici. Ce qui va nous permettre d'avoir la possibilité de séparer les informations grâce à ces trois canaux qui sont trois niveaux de gris. Alors ça donne une image qui est ici très colorée comme on peut le voir dans l'exemple, dans le texture sample. Mais c'est en fait des informations, on le voit ici, c'est les trois canaux qui sont utilisés séparément et on va voir comment. Jamais le RGB total qui n'est pas intéressant à utiliser dans ce cas de figure. Ok. Donc ici on va créer un nouveau matériel en faisant un bouton dans la souris donc matériel donc on va l'appeler mat émissive. Ok. Double-clic. Donc une fois qu'on a créé donc ce matériau, par défaut on a le matériau, donc on regarde les caractéristiques du matériel sur la gauche, ici, surface, opaque et shading model, défaut lit. Donc comme je le disais en introduction, on peut se mettre en mode unlit ici, qui permettra d'avoir un pur émissive color, donc une surface seulement brillante qui pourra servir donc de spot lumineux ou de référence de spot lumineux par exemple, de verre éclairé que l'on pourra mettre donc par exemple à une fenêtre ou à un projecteur et on aura donc juste ici la possibilité entre autres en dehors de deux autres connexions pour position offset et pixel depth offset
de connecter de l'émissif color ici, et on aura donc un produit, un matériau, donc et un objet en pur émissif color. Donc ça c'est le mode simple en mode unlit ici. Et puis on a donc des pholites où on va avoir donc le matériau donc déployé avec les différents canaux en mode PBR, hein, basse color, métallique, specular wholeness et émissif color ici. Donc on va utiliser principalement le basse color et l'émissif color dans notre cas de figure, en réglant métallique, specular, wholeness éventuellement, si on en a besoin, pour la partie, par exemple, qui ne brillerait pas et qui serait donc l'encadrement donc de l'enseigne lumineuse, par exemple, que l'on voudra soit métallique ou pas, et ainsi de suite. Donc on va commencer à ramener des textures, les textures nécessaires. Ok, donc drag and drop les textures, donc les deux textures dont j'ai parlé. La texture qui va servir de base, là ici j'en prends qu'une seule pour aller assez vite, mais on pourra déployer donc des variations par rapport à ces textures-là pour combiner de la base color et de l'émissif color un peu de manière différente, mais aussi donc bien entendu travailler au niveau du canal métallique, spéculaire et rockness que l'on ne va pas voir donc dans ce tutoriel, mais qui permettra de compléter totalement donc le matériau quand on est en mode défaulite bien entendu. Ok. Donc et puis la deuxième texture, drag and drop ici, hop. Ici, voilà les deux textures. Je rappelle que cette texture-là, en fait, si on regarde un peu juste pour info, on va se mettre en mode plat ici, ou cube, par exemple. Voilà. OK. Pour regarder, basse color. Voilà, ici. On va avoir ici, donc, la partie qui nous intéresse. Oups, voilà. On a donc ici l'alpha du fond. Par rapport aux signes qui sont devant. Ici, donc en green, on a l'alpha donc des signes. Et puis en bleu, on a donc ici les contours donc des signes si on veut juste travailler sur ce contour-là. Donc on a trois informations ici assez importantes qui vont nous permettre de régler les valeurs donc, et les forces tant en termes de luminosité que de colorimétrie sur ces différentes parties donc, du visuel, tant au niveau donc, de la base color que ensuite, comme on va le voir, de l'émissif color. Donc ensuite, si on branche le texture sample base color ici, on va avoir donc l'information, voilà, réduire un peu ici. Voilà. Voilà la partie qui nous intéresse voilà. On va avoir donc la texture sample ici. Alors imaginons que on veuille faire des variations par rapport à cette texture donc ici de base. On va mettre en place donc un pipeline qui va nous permettre ensuite d'extraire donc les informations qui nous intéressent pour les retrouver éventuellement. On le fera dans un deuxième temps de notre tutoriel, les paramètres pour les passer en mode instance, enfin pour faire des matériaux de type instance. Ok. Donc notamment ce que l'on va faire ici en premier, c'est jouer sur. Alors il y a plusieurs méthodes et plusieurs possibilités selon ce que l'on veut faire bien entendu. On va jouer sur la multiplication par une surface donc colorée, ce qui va nous permettre de changer. Donc on va utiliser un multiply mathématique ici, que l'on va donc combiner avec la texture sample et un vecteur donc bouton de la souris sur le graphe et on tape le node que l'on veut donc faire apparaître ici, donc vector parameters ici que l'on va donc venir combiner hop, en A et ici en B. Ok. Ce qui
qui va nous permettre donc d'avoir un effet ici en choisissant la couleur. Donc j'ai choisi Vector Parameters au lieu de constante, donc vecteur 3 ou 4, parce qu'il est justement prêt à être utilisé en mode instance. Ensuite, c'est un paramètre qu'on va retrouver donc dans la liste des paramètres de l'instance. Donc ici, je vais prendre un défaut couleur par exemple. On peut prendre un bleu. Ok. Voilà. Et le résultat va être donc le suivant. On va avoir donc un effet bleuté sur l'ensemble, bien entendu, donc de la surface. Hein, c'est assez classique ici. On va donc ensuite combiner donc avec l'alpha de telle manière, par exemple, de travailler dans ce premier temps juste sur le background, donc d'avoir l'effet que l'on veut sur le background. Ici, on renommera donc. On va renommer donc background, donc arrière-plan. Ok, ici, voilà. Donc c'est le travail sur l'arrière-plan, la coloration de l'arrière-plan. Et donc à ce moment-là, il va falloir donc venir chercher le canal red ici pour le combiner pour que ça ne touche juste que l'arrière-plan, bien entendu. Donc on va utiliser donc bouton la souris un node lerp qui est assez linear interpolate ici qui est assez utilisé dans la construction donc de matériaux où on va donc combiner la sortie ici du multiply sur le canal B. Donc le lerp c'est un peu le mode de fusion, c'est un node de type mode de fusion à la Photoshop, c'est-à-dire qu'on a deux canaux A et B et par un alpha, une valeur de alpha, on va fusionner donc le A sur le B ici. Donc on va prendre en mode B bien cet élément-là, donc le multiply et en mode A donc directement l'élément ici donc de la texture sample et on vient le connecter sur le base color pour voir ce que ça donne. Avant cela, on va venir donc paramétrer l'alpha juste pour bien comprendre comment ça fonctionne. Constant ici, donc on met un constant avec une valeur de 0. Quand on a une valeur de 0, on a donc le 1 qui est visible ici à 100% et quand on a une valeur donc de 1, ok, on a le B qui est visible ici à 100%. Alors selon ce que l'on veut réaliser, on pourrait très bien mettre ici le A, l'entrée donc comme base du la texture d'origine et la texture travaillée sur le A au-dessus et donc avoir une variation ici d'alpha. Tout dépend quelle va être donc la valeur d'alpha ici. Okay, que l'on va pouvoir donc combiner. Ok, 0,8 par exemple. Ou 0,2 pour avoir quelque chose de plus bleuté éventuellement. Donc à la place donc de mettre un constant, on va venir mettre donc le read le red pardon ici connecté. Ok. Et voir l'effet que l'on obtient. On voit qu'on obtient donc le bleu sur les lettrages. Alors, ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse, parce que sur le fond, effectivement, si on prend le canal red, on est blanc sur le fond, et donc on laisse apparaître le matériau qui est tombé. Donc, on va venir donc inverser, comme on l'avait fait précédemment, on va venir inverser donc les matériaux ici. Hop. Ici, voilà. Ok. Et on a bien, on le voit sur le matériau qui était clair sur la partie supérieure, il est bien bleuté. Alors après, il se mélange en bas avec de l'orange, ce qui peut être assez intéressant pour avoir un matériau plus complexe ici. Mais on voit bien que ça fonctionne bien ici sur le bleu. On a pu reteinter donc notre arrière-plan ici grâce à ce système-là. Alors si on veut donner moins de force donc à ce système, eh bien, on pourra utiliser donc un multiply avec la valeur que j'ai laissée
ici, entre guillemets, traîner le constant, donc A ici, et puis sur l'alpha ici, et puis on va donc mettre le B là, voilà. Et ce qui fait qu'on va avoir un effet multiplicateur, on voit ici 0,2, on n'a plus la valeur de 1 que l'on avait donc précédemment directement de l'alpha, qui donnait du bleu, je dirais, à fond. Ici, donc on peut pondérer donc éventuellement le mélange. Voilà, on fait un bleuté léger ici sur la partie supérieure donc, de notre texture, comme on peut le voir, grâce à ce système donc, de pondération par une valeur ici constante. Donc valeur sur laquelle on pourra donc intervenir en la convertissant en paramètre, convert ou paramètre, ici qui va permettre de la retrouver dans la liste des paramètres pour d'instance. Ici, on pourra bien sûr la renommer et l'appeler force d'application de la couleur d'arrière-plan par exemple, des choses comme ça. Okay, comme on a nommé arrière-plan, on aura ces variables qui seront à côté et sur lesquelles on pourra bien entendu jouer. Donc ce système-là que l'on a mis en place, eh bien, on va pouvoir le répéter, on va le répéter une deuxième fois et une troisième fois pour le contour et pour la forme donc intérieure. Pour ça, je vais pas le refaire totalement et montrer plutôt le résultat, mais on va repartir. Il faut repartir bien sûr du l'herbe ici qui est calé sur le base color hein, et venir donc reconstruire. Un nouveau donc l'ERP. Ok. Hop, c'était pas celui-là. Le bon, bon, alors on peut faire CTRL W, hein, ça permet de dupliquer rapidement si on veut pas aller le rechercher. On reprend donc un l'ERP ici avec le A pour le A ici. Au niveau de l'alpha, eh bien on va prendre les deux ici. CTRL W aussi. Ok. Et on prendra donc ici maintenant le green. Ok, et on viendra donc sur l'alpha. Ok, et on n'aura plus qu'à reprendre donc un arrière-plan qui sera le lettrage et un multiply. CTRL W ici. Ok, et venir le connecter. Voilà, hop, ici. Ici, ça s'appellera plus arrière-plan. Voilà, mais signe, par exemple. Les signes, quels qu'ils soient. Ok, et on pourra à ce moment-là. Éventuellement les colorer, hop, j'amène sur le base color ici et on va colorer ça en vert par exemple ou en orange ou en violet, ça sera en violet, ok, saturé. Hop, reste à connecter donc le là. Le A, multiply c'était sur 0. Ok, 0,6, voilà, on a le lettrage ici et le contour, donc juste en violet ici, hop, on change de couleur, on le passe en orange, en rouge, ok, voilà. Voilà ici, et la force, 0,6, on va mettre 1 pour les lettres. Et donc, on va pouvoir utiliser ce système-là ensuite pour venir donc travailler sur l'émissif color. Donc, l'émissif color, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter donc la même chose ici en émissif color. OK. Et donc, on va avoir donc un lettrage ici qui va se mettre à briller. OK. Et pour pondérer donc l'émissif color et choisir ce que l'on veut donc mettre en mode émissif, soit l'arrière-plan, pourquoi pas. Les lettrages sont des lettres adhésives opaques sur une barre de néon. Hein, et donc à ce moment-là, ça sera l'arrière-plan qui brillera et pas les lettrages ou l'inverse ici. Et donc on va pondérer ici donc, notre travail donc, dans l'émissive color à partir de la même manière, à partir donc de. Des éléments ici, donc des canaux alpha. Et ici, on va venir donc travailler à ce niveau-là. Donc, on va casser la connexion, breaklink. Donc, pour ça, on va venir donc prendre un multiply. Alors, je reprends CTRL W
un multiplay existant pour aller plus vite. Ici, on va reprendre donc le pipeline du canal Red, ici, qui nous donne donc l'alpha des lettrages. On revient sur ce multiply, on l'amène sur le B ici, et on prend donc le A par exemple, donc méthode simple ici, et on envoie tout ça sur l'émissive color, et on a normalement voilà, les lettrages qui se mettent donc à briller ici par rapport à l'arrière-plan. Si on voulait donc connecter que l'arrière-plan plutôt brille, on prendra donc la sortie multiply ici de l'arrière-plan et on le remplacera. Et donc à ce moment-là, normalement, voilà, c'est l'arrière-plan qui se met donc à briller ici. Alors avec plus ou moins de force dans l'émissif color ici, on pourra avoir un effet aussi multiplicateur, mais on verra que cet effet multiplicateur, on peut l'avoir aussi donc dans les paramètres donc de l'objet dans la partie lumière pour pouvoir générer donc une impression donc d'émissif color, enfin, d'émission de luminosité beaucoup plus importante. On voit là un peu le pipeline donc ici que l'on a donc réalisé pour venir donc réaliser cette enseigne ici. Alors voilà l'élément complet ici, le pipeline complet. Alors il y a une troisième couleur ici dont j'ai pas parlé, c'est la bordure. C'est exactement la même suite que le travail que j'ai fait pour l'arrière-plan et pour les signes. On a l'effet bordure aussi sur lequel on peut travailler. Et ensuite, on va avoir donc effectivement ici j'ai repris donc le canal green pour avoir un multiply. Donc ici à ce niveau-là sur l'émissif color et c'est les lettrages ici qui brillent comme on peut le voir sur notre exemple dans le level ici. Alors ce qu'on est venu rajouter ensuite, on est venu donc sur l'enseigne et on est venu donc dans les paramètres de lighting. On pourra augmenter donc le light map résolution éventuellement si nécessaire. Et surtout dans les light mass setting, on est venu cocher use emissive for static light. Donc si je le décoche, je fais rebuild. Donc j'ai pris un bout de scène ici exprès pour que ça aille vite. On va avoir donc le résultat. Ok. Voilà. Donc il y a deux petites lumières ponctuelles sur le dessus qui éclaire vaguement, mais on voit qu'on a perdu l'éclairage principal ici qui était dû justement à l'effet donc néon. Donc on va recocher sur use ici static émissive for static light. Et puis on a l'émissive boost qu'on a posé à 10 et le diffuse boost qu'on a poussé aussi donc à 10. Et si je reconstruis donc à ce moment-là, je vais avoir bien sûr donc un suréclairage dû à l'émission donc de l'éclairage du néon des lettrages ici. Ok. Voilà ici donc l'éclairage qui est dû donc au néon. Et on pourra jouer éventuellement ensuite pour terminer ici ce tutoriel. On pourra mettre en place donc un élément de post-prod volumétrique qu'on va retrouver ici dans volume, dans les choix donc des éléments de base, volume, post-process volume. On le met en place ici sur l'ensemble donc de la scène. On va le retrouver donc post-process volume, voilà. Et ici, alors on a différentes bien sûr possibilités de post-prod. Et notamment, on a donc l'effet bloom qu'on va retrouver. Ok, j'étais passé devant, lens, bloom ici. Et on va pouvoir mettre en place voilà, un effet donc. J'exagère ici pour qu'on le voit, donc d'effet de blur, hein, et ici je reconstruis une dernière fois la scène, intensité 8, on pourra mettre plus, et on aura un effet de blur sur les parties donc justement émissives ici, voilà,
exagérée, bien entendu, ici avec une valeur de 20 pour créer ce halo lumineux que l'on a donc de manière assez classique. Quand on a des enseignes lumineuses, bien sûr, tout ça est très exagéré par rapport à la réalité, mais donne un effet ici donc lumineux intéressant. En voilà pour la mise en place donc des missives color, donc d'enseignes lumineuses, de fenêtres, d'autres éléments comme ça qui que l'on va pouvoir donc réaliser dans des scènes clair-obscur où on voudra faire des éclairages ponctuels comme on l'a vu en introduction dans notre ville.